Chaque moment sera d'autant plus précieux pour Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy. Alors que les adolescentes grandissent à vue d'œil, la pression monte et la mélancolie avec. Les événements se sont enchaînés ces dernières semaines pour le clan de Laetitia Hallyday et les émotions aussi. Il y a d'abord eu le diplôme de Jade Hallyday en même temps qu'un autre Nepo Baby, Léon Bruel, tous les deux scolarisés au lycée français de Los Angeles. De quoi rendre Laetitia plus que fière. Je suis tellement fière de toi ma Jade Hallyday, un chapitre qui se tourne et un autre qui commence que tu vas devoir écrire en suivant ton rêve, tes envies, fidèle à tes valeurs et moi si est toute ma vie de maman que j'ai regardé défiler aujourd'hui avec tant d'émotion et de tristesse aussi de ne pas pouvoir le partager avec ton papa. We love you hashtag graduation hashtag proud mama, avait partagé veuve de Johnny Hallyday sur Instagram. Et puis, le mariage de Claude Lelouch, le week-end dernier, l'occasion pour Laetitia Hallyday de passer un moment plein d'émotions avec ses filles, Jade et Joy, et son compagnon Jalil Esper. Et ils sont précieux ces moments en famille comme le rappelle Gala ce jeudi 22 juin. En effet, la mélancolie n'est pas loin pour cette maman de deux adolescentes qui ne cesse de grandir. En robe de soirée en satin, noir pour l'une, bleu électrique pour l'autre, les deux plus jeunes filles du rocker ont fait forte impression au mariage du réalisateur dans le 18e arrondissement. Les deux jeunes filles ont capté les regards parmi ce parterre de stars, et bien sûr l'attention de leur mère, qui ne manque pas une occasion de serrer la taille de l'une ou de saisir la main de l'autre. Ces filles quitteront un jour le nid familial et Laetitia Hallyday devra alors démarrer une nouvelle étape de sa vie. Ce qu'elle redoute tant et Laetitia le redoute, écrivent nos confrères en évoquant l'envol de Jade et Joy. Comme grand nombre de parents, le syndrome du nid vide est difficile à appréhender. Les enfants quittent alors le foyer et il faut trouver un nouveau sens à sa vie. Mais l'heure n'a pas encore tout à fait sonné. À la rentrée, l'aînée intégrera l'OTI College, une prestigieuse école d'art et de design de Los Angeles, et restera donc dans la superbe villa de Pacific Palisade avec les siens. Quant à Joy, 15 ans, le 27 juillet prochain, elle va intégrer le lycée. Avant tout cela, le clan Hallyday va profiter de vacances bien méritées. Avant de s'envoler pour Saint-Barth, où les filles retrouveront leur bande d'amis, Laetitia Hallyday va poser ses valises dans son fief familial de l'Hérault et retrouver sa mère et sa grand-mère. La famille, le plus important pour elle. Step up.